joie pour notre Dieu. Chantez pour lui, car il est bon, car éternel est son amour. Avec Jésus, nous étions morts. Avec Jésus, nous revivons. Nous avons pas à s'acclater. Dieu nous accueille sa maison. Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur il t'a choisi. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite dans son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Le don de Dieu, si tu croyais en son amour, tu n'aurais plus de peur en toi. Dieu nous accueille dans sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Thank you.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as instruit les cœurs de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. En lui, donne-nous d'apprécier ce qui est juste et d'approuver toujours la joie de son réconfort. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles de siècles. Lecture du livre de Joël. Prêtres, mettez un vêtement de deuil et pleurez. Serviteurs de l'autel, faites ensemble des lamentations. Venez, serviteurs de mon Dieu, passez la nuit en habit de deuil, car la maison de votre Dieu ne reçoit plus aucune offrande de nourriture ni de boisson. Prescrivez un jeûne sacré. Annoncez une solennité. Réunissez les anciens de tous les gens du pays dans le temple du Seigneur votre Dieu. Criez vers le Seigneur. Ah, jour de malheur! Le jour du Seigneur est proche, il vient comme un fléau du Tout-Puissant. Faites retentir la trompette dans Sion, faites retentir la clameur sur ma montagne sainte. Qu'ils tremblent, tous les gens du pays, car voici le jour du Seigneur, il est tout proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de brouillard et de sombres nuées. Comme la nuit qui envahit les montagnes, voici une multitude redoutable. Il n'y en a jamais eu de pareil, et il n'y en aura plus dans les générations à venir. Parole du Seigneur. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Il Signore governerà il mondo con giustizia. Renderò grazie al Signore con tutto il cuore, annuncerò tutte le meraviglie, gioirò ed esulterò in te, canterò in al tuo nome, o Altissimo. Il Signore governerà minacciato le nazioni, hai sterminato il malvagio, il loro nome hai cancellato in eterno per sempre. Sono sprofondate le genti nella fossa che hanno scavato, nella rete che hanno nascosto si è impigliato il loro piede.
ma il Signore siede in eterno, stabilisce il suo trono per il giustizio, governerà il mondo con giustizia, giudicherà i popoli con rettitudine. Il Signore governerà principe di questo mondo sarà gettato fuori, e io quando sarò innalzato da terra attirerò tutti a me. Voici maintenant le règne de Dieu et la puissance de son Christ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Seigneur soit avec vous. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Comme Jésus avait expulsé un démon, certains se mirent à dire: c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse des démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit: tout royaume divisé devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu
pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Quand l'esprit mauvais est sorti d'un homme, il parcourt les terres desséchées en cherchant un lieu de repos. Et comme il n'en trouve pas, il se dit, « Je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti. » En arrivant, il la trouve balayée et bien rangée. Alors, il s'en va et il prend sept autres esprits encore plus mauvais que lui. Ils y entrent et ils s'y installent. Ainsi, l'état de cet homme est pire à la fin qu'au début. Parole du Seigneur. De tout mon cœur, Seigneur, je veux te louer et chanter toutes tes merveilles. Psaume 9. Frères et sœurs dans le Seigneur, le psaume responsorial que nous venons d'entendre nous invite à rendre grâce à Dieu et nous avons de nombreuses raisons pour remercier pour rendre grâce à Dieu. Une des raisons est sans doute la grâce de ce chemin synodal que nous sommes en train de parcourir en tant qu'une Église guidée par le Saint-Esprit. Ce synode sur la synodalité est la nouvelle Pentecôte qui renouvellera certainement l'Église dans la communion de ses membres et dans la participation active de tous à la vie et à la mission de l'Église. Oui, frères et sœurs, l'Église avait besoin de ce temps de grâce et de discernement, un temps pour regarder en arrière sur le chemin que nous avons parcouru avec ses gloires et ses échecs, en tirant des enseignements pour un nouveau départ. Dans la première lecture que nous venons d'entendre, le prophète Joël invite le prêtre, le ministre de l'autel, à pleurer et à faire le deuil parce que les offrandes et les libations ont disparu de la maison de Dieu. Il conseille aux prêtres de réunir les anciens pour étudier et chercher ensemble de nouvelles manières de se présenter devant Dieu, parce que l'ancienne manière ne tient plus. Cette prophétie de Joël correspond un peu à l'expérience synodale que nous vivons ces jours-ci, ici à Rome. Venant de tous les continents, et réunis en une seule famille dans cette beauté de l'unité dans la diversité, nous sommes également invités à pleurer et à nous lamenter devant cet autel, devant le Seigneur, sur le tombeau de Saint-Pierre, à cause de nos faiblesses, à cause de nos péchés, en tant qu'Église. En effet, comme le rappelle notre Instrumentum Laboris au numéro 23, le visage de l'Église d'aujourd'hui
porte les signes de graves crises de confiance et de crédibilité. Dans de nombreux contextes, les crises liées aux abus sexuels, aux abus de pouvoir, aux abus de conscience et aux abus économiques, des contre-témoignages qui ont même risqué d'éloigner les gens de l'Église. On se croirait à l'époque du prophète Joël. Oui, mes frères et sœurs, nous sommes ici pour pleurer et demander pardon à Dieu pour nos fautes, individuellement et collectivement. Mais la meilleure façon de pleurer est le courage d'apprendre le chemin de la repentance et de la conversion qui ouvre des voies de réconciliation, de guérison et de justice. L'évangile d'aujourd'hui parle de la lutte de Jésus contre le démon Belzéboul. Cela nous rappelle que le diable est toujours là. Satan est toujours présent et actif dans notre monde. Sa force réside justement dans la stratégie de se faire oublier et d'apparaître sous les formes les plus séduisantes et les plus rassurantes. Connaissant bien sa proie, le diable lance ses attaques à partir des réalités les plus sensibles. Comme le disait si bien le pape Benoît XVI, le malin cherche toujours à ruiner l'œuvre de Dieu en sémant la division dans le cœur de l'homme, entre le corps et l'âme, entre l'individu et Dieu, dans les relations interpersonnelles, sociales et internationales. Le maléfique, le démon, sème la zizanie, la discorde et la division. Mes chers frères et sœurs, si nous avons le courage de regarder notre réalité actuelle en tant qu'Église, il ne sera pas difficile de constater à quel point le malin est à l'œuvre et influence notre façon d'être et d'agir. Le malin, le diable, veut nous voir divisés. Il pourrait même utiliser certains d'entre nous pour sa cause, pour réussir sa mission. Voilà pourquoi nous devons combattre courageusement le malin en utilisant notamment les armes de la synodalité qui exigent l'unité, le marcher ensemble, le discernement dans la prière, l'écoute mutuelle et de ce que l'Esprit a à dire à l'Église aujourd'hui. Nous sommes appelés à combattre ces puissants adversaires avec une arme tout aussi puissante à notre disposition qui est le Saint-Esprit, protagoniste de cette nouvelle façon d'être Église, l'Église synodale. Puisse l'Eucharistie que nous offrons ici sur la tombe de Pierre, nous ouvrir à l'écoute du Saint-Esprit, qu'elle fasse passer l'Église synodale du rêve à la réalité, des paroles à la vie concrète, où nous serons capables de marcher ensemble dans la communion, la participation et la mission. Amen.
rassemblés dans l'unité pour faire mémoire des bienfaits de notre Dieu, prions-le, chers frères et sœurs, de nous inspirer lui-même les demandes qu'il pourra exaucer. Pour les femmes, les enfants et toutes les personnes du continent africain qui marchent fidèlement à la suite de Jésus, espérant contre toute espérance, demandons à l'Esprit Saint de faire briller leur lumière afin qu'elle entraîne tous les autres. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. D'un cœur unanime, rendons grâce au Seigneur pour les bienfaits dont il gratifie chaque jour les communautés ecclésiales en marche sur le continent africain, afin qu'elles soient chaque jour davantage celles de la terre et lumière du monde. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les martyrs invisibles et silencieux, dont le sang est semence de chrétiennes et de chrétiens, demandons à l'Esprit Saint d'ouvrir nos yeux pour voir leur exemple et nos oreilles pour entendre la louange de leur vie. Prions ensemble le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour toutes celles et tous ceux qui ont la charge de nos sociétés humaines et de nos communautés croyantes, implorons pour tous l'esprit de discernement, de courage et de persévérance, afin que le souci du bien commun soit leur boussole. Prions ensemble le Seigneur. Nous sommes venus en ces lieux, chers frères et sœurs, pour célébrer ensemble le mystère de notre rédemption. Prions donc notre Dieu Tout-Puissant d'irriguer le monde entier par les sources de vie et de toute bénédiction. Maria, Maria.
Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sanctifie, Seigneur, nos offrandes et par la lumière de l'Esprit Saint, viens purifier nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous.
élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. Il est monté plus haut que les cieux. Il siège à ta droite. Et c'est lui qui répand sur tes enfants d'adoption l'Esprit Saint qu'il avait promis. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer. Qui est vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape évêque François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des sages, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour le siècle des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse et donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Et moi en lui. Et moi.
Prions le Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, se répande dans nos cœurs et la purifie, qu'il leur donne de porter du fruit et les imprégnant comme une rosée. Par le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous garde et vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.